Nang's Reborn. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Reborn. En dessous de cette vidéo, vous pouvez tout simplement vous abonner. Et si ce n'est pas encore fait, faites-le parce que nous avons besoin de prêcher et de parler de Dieu à beaucoup de personnes et sauver des vies. Aujourd'hui, nous voulons vous montrer juste comment sauver des âmes sur les réseaux sociaux ou encore sur Instagram. Rien qu'au travers de votre appareil, votre portable, tranquillement chez vous. Jésus revient, nous avons besoin de sauver des âmes et je pense qu'il est l'heure de se lancer. Nous allons juste vous montrer un exemple que vous pouvez suivre. Vous pouvez vous-même créer des idées qui vont surtout vous aider dans cette démarche. Franchement, ça va être chaud. Pour commencer, vous devez avoir un compte Instagram. Donc, nous allons tout simplement ouvrir un compte Instagram. Comme vous le voyez déjà à l'écran, nous sommes sur Instagram. Et ici, on peut voir clairement qu'il y a pas mal de personnes qui sont là. Et tout le monde balance ce qu'elle veut. Certaines personnes balancent des fleurs. Et d'autres balancent juste les trucs de la nature, tout ça c'est bon, c'est joli, c'est bien. Mais la chose qui va vraiment aider quelqu'un, c'est de lui dire « je vous aime ». Qu'est-ce qui va se passer? C'est à ce moment où vous, si vous avez par exemple un ordinateur, vous pouvez juste aller sur Photoshop et écrire un message accompagné d'une belle image qui va juste vous aider. C'est-à-dire une belle image, c'est-à-dire un message où vous pouvez acheter juste à côté une belle image. Nous allons vous montrer un exemple très simple. Par exemple, si vous avez un Samsung Galaxy Note, là c'est encore plus simple. Vous pouvez juste écrire un message. Créer juste un message simple avec votre note. Vous écrivez, par exemple, Jésus. Voilà, ça commence à aller. Vous écrivez Jésus veut te sauver. Te sauver. Est-ce que vous voyez? Jésus veut te sauver, par exemple. Ça, c'est un message intéressant qui va pousser la curiosité de quelqu'un à chercher à savoir, mais qu'est-ce que c'est? Peut-être que cette personne traverse des situations assez compliquées et elle a besoin vraiment d'aide. Ça peut aider quelqu'un. Voici comment vous pouvez sauver la vie de quelqu'un. Et quand vous avez fini de faire ça, vous faites ce qu'on appelle, vous prenez la capture de ce que vous venez d'écrire comme note ou bien votre image. Dès que vous finissez de prendre la capture, vous aurez une image que vous pouvez tout simplement retrouver dans votre galerie comme ici. Et l'image est ici. Vous voyez que l'image est ici, bel et bien ici. Ce que vous pouvez faire, c'est de faire un truc simple comme éditer l'image pour essayer de modifier certaines choses ou encore recadrer cette image, ajustement, voilà, on va l'ajuster, enlever les éléments qui sont juste à côté autour pour laisser juste l'information qui nous intéresse. Vous voyez, vous pouvez faire plusieurs modifications. Ce sont des trucs simples qui peuvent aider quelqu'un, qui peut sauver des vies. Au lieu de balancer les photos nues, les nues sur les réseaux sociaux, je pense que ça va vraiment être une grande utilité. Où es-tu? Ah, venu, c'est en arrière, le message a disparu. Où es-tu passé? On fait un retour. On a plus ce cancer, on a plus ce ajustement. Là, vous pouvez faire comme ceci. Vous pouvez le laisser comme il est aussi. Hein. Sinon, vous pouvez faire un petit montage comme ça. Si vous avez la capacité de le faire. Et voilà. Un joli message comme ça. Voilà. Vous pouvez s'y appliquer. Et vous avez un tel message. Vous pouvez maintenant sauvegarder votre image et l'envoyer directement
sur Instagram. Je suis ici. Voilà, vous l'aurez sur Instagram par exemple. Voilà, hello, option. Demande de faire quelque chose. Voilà, ça recherche, ça recherche. Ici, on me demande juste de valider Instagram pour que ce soit balancé. Bon, nous allons juste faire quelques modifications sous vos yeux. Voilà, sous vos yeux, on va fermer ça. Instagram aussi. On revient dans l'application Instagram qui se trouve juste là. Quand on appuie sur plus, hello, on lui demande une permission. Permission d'autoriser Instagram à avoir accès à cet appareil. Ok, pour ce faire, puisque l'application n'apparaît pas là, il va falloir juste éteindre l'appareil et le redémarrer pour qu'il puisse se mettre en position. On va éteindre l'appareil. Donc vous voyez, nous sommes en train d'éteindre l'appareil maintenant. Voilà, nous avons fait une petite modification, juste ajouter vidéo numéro 1. Voilà, bon, on verra ça plus tard. On va juste redémarrer l'appareil, redémarrer comme ça, et puis voilà, comme vous le voyez, nous allons redémarrer l'appareil. Ok, là l'appareil va redémarrer, que nous, ça puisse, l'appareil puisse, le système de l'appareil puisse prendre en compte l'application Instagram. Ça, c'est parce que nous avons un Samsung Galaxy Note 3. Voilà, nous avons juste tu redémarres où? Ok, redémarre maintenant. Vous le voyez, voilà. Je vous, si vous avez un appareil récent, tout fonctionnera bien, vous n'aurez pas besoin de faire le démarrage. Voilà. Donc c'est un petit message simple qui peut sauver des âmes, qui peut sauver des vies, qui peut aider quelqu'un. Là, rien qu'à partir d'Instagram, vous pouvez déjà commencer à faire l'œuvre de Dieu, à parler de Dieu, et ça, ça sera un point positif que vous allez positionner devant vous, comme ça, ou devant Dieu. Ça, c'était très intéressant. C'est la chose que sont les choses que les gens évitent de faire, ils n'ont pas l'habitude de faire. C'est la seule chose que tu n'as pas encore fait de ta vie. Aujourd'hui, Dieu veut te t'amener à devenir un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu. Ah, parle des bienfaits de Dieu à ton entourage, tranquille, c'est gratuit. Ici, nous essayons de mettre notre mot de passe et nous sommes de retour. Là, nous allons tout simplement enregistrer, commencer la capture numéro 2 du temps. Ok, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, c'est relancé. Là, l'image apparaît maintenant devant vous. Et une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant aller sur Instagram. Voilà, ça doit s'ouvrir en principe. Voilà. Vous allez voir. Voilà, ça va s'ouvrir. Bien, 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 bien. On espère que tout va bien. Tout va bien. Il y a une petite latence au niveau de cet appareil, ne vous inquiétez pas. On espère que tout va bien. Sinon, qu'est-ce que c'est? On fait comme ça. Nous venons de démarrer juste l'appareil. On espère que ça va. Oh oh. Écran noir. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Quand on parle des vraies choses, où on doit faire des vraies choses, il y a parfois quelques complications qui arrivent. Mais ne vous inquiétez pas, je sais assez bien, nous allons y arriver. On va fermer ça, on va fermer toutes les applications ouvertes. On va venir juste utiliser une application pour booster la RAM. Booster la RAM de l'ordinateur. Ah, nous avons des messages. Ok, je viens de recevoir un message. Ok, c'est bien. Je vois. Bien, donc on va booster. Il n'y a pas de souci. Ok. Parfait.
intéressant. On espère que ça va faire. Ouh, mais pourquoi est-ce que c'est devenu si lent? Mais pourquoi? Ok. Là, nous allons maintenant retourner sur Instagram. Tu n'étais pas là avant, maintenant il est 1h, comment on va parler des vraies choses? C'est-à-dire, quand vous allez, là, quand vous allez commencer maintenant à parler de Dieu, c'est là des petits obstacles vont se positionner. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas bien. C'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Regardez, c'est bloqué. La parole est carrément bloquée. Vous avez vu pourquoi nous sommes en train de chercher des équipements? C'est pour éviter toutes ces histoires. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bloqué. Oh non. Oh, il ne le faisait pas avant. Il ne le faisait pas. Il ne se comportait pas ainsi avant. Tout était bien correct. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, ne vous inquiétez pas. Nous allons utiliser un autre appareil pour faire le taf, le travail. Ok. Là, on va abandonner le Samsung Galaxy Note 3 pour aller sur un autre appareil. Voilà. Le Samsung Galaxy G7 Prime. Voilà. Vous allez utiliser ce tout appareil. Malheureusement, la note est restée dans l'ancien portable. Il me semble que c'est le logiciel de capture qui a bloqué cela. Regardez par exemple. Ici, j'ai les deux appareils. Et moi, j'ai pu écrire cette note ici. Si je veux juste prendre cette note-là, je vais plus recopier. Je vais donc utiliser ma caméra ici. Je prends une photo de cette note-là directement comme ça. Ok? Ça me fâche. Jésus. Jésus veut te sauver. Voilà. Et nous avons la note ici. Voilà, c'est parfait. Maintenant, nous allons aller sur Instagram. Voilà, mes enfants. Nous allons commencer l'enregistrement des enfants. J'espère que tout bien, tout va bien. Ok, à principe, vous devez voir cela sur votre écran. Et quand on va plus loin, on peut chercher maintenant Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez le télécharger. Oh, il se trouve même là devant nous. Juste quelques secondes. Là, nous allons l'installer. Voilà, l'installation va commencer. Si les réseaux sociaux ne font pas n'importe quoi, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Les gens font plein de choses, mais ils oublient qu'ils peuvent utiliser les mêmes moyens pour communiquer de bons messages. Et c'est ce que nous voulons vous apprendre ce soir. Même avec ces difficultés, nous allons y arriver. Nous allons arriver, l'installation se poursuit. Comme vous le voyez sans doute à l'écran. Voilà. N'hésitez pas à regarder notre dernière vidéo qui se trouve même là devant nous, devant vous. Un pasteur riche et célèbre en enfer. Waouh, quel choc. Bon, on fait l'ouverture. Et ici, nous allons juste entrer notre compte. Nyans Freeborn. Voilà notre compte, Nyans Freeborn. C'est également notre compte Instagram. Vous pouvez vous abonner pour nous soutenir. C'est intéressant. Puisque nous voulons pas que vous voyez notre mot de passe, on va verrouiller. Couper l'enregistrement. Voilà, si ça apparaît pas sur votre écran, c'est bien. Ok. Là, je pense qu'à ce niveau, nous avons maintenant accès à notre compte sur Instagram. Vous avez maintenant accès à votre compte sur Instagram. Et vous pouvez faire quelque chose de bien. Par exemple, ça, c'est notre page Instagram. Vous pouvez cliquer sur plus ici. Et cliquer sur allô, hello. Bon, allouer ou encore accepter, permettre. Et vous faites un recadrage de votre image encore que vous avez saisi directement dans votre portable. Et vous allez tout simplement cliquer sur suivant
Et si suivant, vous allez voir que juste en dessous, vous avez plein d'options qui vous permettent juste de faire quelques modifications de l'image à côté quelque chose de positif, de parfait. Et là, ça c'est vraiment joli. On tape dessus Next. Ok. Et vous pouvez encore écrire un joli message qui est ici. Maintenant. On dit quoi? Jésus. Ici le message dit Jésus veut te sauver. Et après, ici, dans la partie description, il écrit maintenant. Jésus veut te sauver maintenant. C'est un exemple juste pour vous montrer. Et vous voyez que ce message positif là, vous avez finalement réussi à le transmettre à quelqu'un. Et vous allez voir que quand vos amis vont voir ce message, ils seront plus contents de vous que de voir en plus des images sexy. Vous vous mettez parfois comme ça, nous, mes frères et sœurs. Nous avons besoin d'abandonner nos mauvaises voies et de revenir sincèrement à Dieu. Là, c'est une vidéo que nous avons faite. C'est extraordinaire. Balancer, on partage, vous mettre tout simplement sur notre page d'accueil. Voilà. Et quand on clique sur l'homme, notre message joli avec plus de 948 personnes et le message apparaît là devant vous comme vous le voyez. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est extraordinaire. Ensemble, en un de temps, nous avons pu faire quelque chose d'extraordinaire, de positif, qui est hors du commun. Je pense que ça, c'est extraordinaire. C'est notre vidéo analyse, c'est l'analyse 48 que nous avons fait la dernière fois. Et cette vidéo est l'analyse, vidéo analyse de type 49. Comment vous aider à faire des choses extraordinaires. Et vous pouvez parler de Dieu sur Instagram. Et nous travaillons beaucoup. Vous regardez par exemple, ça c'était des témoins puissants 445. Et vous, quand vous venez sur Instagram, directement vous pouvez avoir accès à nos pages d'accueil via le lien qui est là, à notre chaîne YouTube, à notre chaîne. Et vous voyez que effectivement les choses avancent. Et waouh, c'est extraordinaire. J'apprécie même cela. Je vois que nous faisons de bonnes choses et Dieu lui-même se manifeste beaucoup chez nous. Et vraiment, ça c'est énorme. C'est énormissime, c'est plus grand que grand. Et nous bénissons Dieu pour ça. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à ne pas manquer la prochaine vidéo. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que c'est? Arrêtez. Préparez-vous pour des choses sérieuses pour vous. Ça va être chaud. Ceci est notre dernière vidéo, la vidéo avant cette vidéo. Vous pouvez également la regarder. Pour nous sommes dévoués, commencez le dialogue de Dieu maintenant. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, c'est possible. En dessous de cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via Western Union ou encore PayPal. Waouh.